Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le Maléfice du Doute, un film radiophonique de Charles Maître, d'après le roman de Roger-Henri Nova. Avec Rosie Wart, Evelyne Selena, Jacqueline Rivière, Marie-Jeanne Gardien, Monique Sainté et Jacques Morel, Jean-Claude Michel, Pierre Delbon, Pierre Vernier, Pierre Peloux. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Bruitage Jean Berriac. Prise de son René Cambien. Opérateur Geneviève Leroux. Assistante Marie Vouilloux. Réalisation Pierre Billard. Oui, voilà, j'arrive. Comment, mais... Tu sors? Avec Suzanne, oui. J'ai quelques courses à faire. Je croyais que tu attendais ta sœur. Oh, écoute, je suis pas disposée à l'attendre tout l'après-midi. D'ailleurs, si elle vient durant mon absence, tu en profiteras pour lui parler de l'usine. Ah, parce que toi, ça ne t'intéresse pas. Oh, je n'aime pas discuter, tu le sais très bien. Mais j'ai déjà dit à Hélène que je te laissais libre de décider en mon nom. Bon, comme tu voudras. Seulement si nous n'a... Tiens, la voilà. Allez ouvrir, Suzanne, voulez-vous? Oui, tout de suite, madame. Tu tiens vraiment à ce que je lui parle aujourd'hui? Mais d'habitude, tu es toujours pressée. Pour une fois qu'elle vient un samedi, profites-en. Bon. Bonjour. Bonjour, Hélène. Comment allez-vous? Plutôt bien. Tu sors? Et avec Suzanne. Mais si tu restes un peu, je te verrai à mon retour. Ah, tu ne trouves pas imprudent de laisser ton mari en tête à tête avec ta petite sœur? La peur n'évite pas le danger, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous avez à parler tous les deux. Ah? À tout à l'heure. Je vous laisse. Vous venez, Suzanne? Voilà, voilà, madame, je suis prête. Bonjour, toi. Bonjour, chérie. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air sombre. Tu l'as entendu. La peur n'évite pas le danger. Par moments, je me demande si elle ne se doute pas de quelque chose. Penses-tu? Elle est tellement popote. Elle n'imagine même pas que les autres puissent être différents. Il y a déjà, lorsque nous étions petites, elle s'étonnait que l'on puisse aimer ce qu'elle n'aimait pas. Tu m'aimes. Tu en doutes? Non. Moi, si. Il m'arrive de me poser la question. Tu es veuve? Tu es riche? Tu es belle? Tu pourrais souhaiter autre chose? Mais pourquoi toujours penser à moi comme à une femme désœuvrée? Avec l'usine et avec toi, ma vie est parfaitement remplie. Disons que je t'aide à faire passer les quelques loisirs que te laisse l'usine. Si j'étais plus libre, ça ne t'arrangerait pas forcément. Oh, je t'en prie, ne recommence pas, tu es ridicule. Si je pouvais vivre avec toi, je serais parfaitement heureux. Je te l'ai déjà dit. Étant donné que ta chère usine m'interdit le divorce, ça ne te coûte rien de le dire. Écoute-moi bien, François. J'avais 23 ans lorsque père est mort. Et j'en ai 36 aujourd'hui. Depuis 13 ans, je n'ai vécu et je ne me suis battue que pour l'usine. Ni ma sœur, ni mon mari ne m'ont jamais aidée. Si l'affaire a tenu, si elle est maintenant prospère... C'est uniquement à moi qu'elle le doit. Et j'estime que c'est mon affaire. Mais malheureusement, j'ai dû investir beaucoup et je n'ai pas les moyens de racheter la part de Claire. Je suis donc condamnée à compter avec elle. Et que cela te plaise ou non, je continuerai de compter avec elle. Parce que si tu as tort de douter de mon amour, tu as tout de même raison sur un point, mon petit François. Jamais, pour qui que ce soit, je n'irai jusqu'à sacrifier l'usine, oui, tu entends? Oui, je sais.
Seulement, je te ferai remarquer que pour dire la vérité à Claire et demander le divorce, je n'ai pas besoin de ton accord. Fais attention, François. Ne joue pas avec ça. Pour conserver l'usine, je suis capable de n'importe quoi. De n'importe quoi, tu entends? Décidément, tu es merveilleuse. Il y a des moments où je me demande si... Si? Si tu n'es pas venue à moi par calcul. Désolée, mais je ne comprends pas. Mais si, tu me comprends parfaitement. Claire n'a jamais été amoureuse de moi. Et elle n'avait que peu de goût pour le mariage. Si elle s'est décidée à 40 ans, c'est uniquement pour faire entrer un homme à l'usine. Elle m'a agréé parce que j'étais ingénieur. Depuis 2 ans, je ne cesse de la décevoir en luttant contre son projet. Oui. Et où est mon calcul dans tout ça? S'il n'y avait rien entre toi et moi. Si tu étais simplement ma belle-sœur, nous aurions pu travailler ensemble. Maintenant, c'est impossible. Tu le sais très bien. Ah. En somme, tu insinues que je me suis jetée dans tes bras pour t'empêcher d'entrer à l'usine. Hein? Le seul ennui, et tu ne l'ignores pas, c'est que précisément, je voudrais bien t'y voir entrer. Je suis très bien où je suis. Païen me paie largement et son travail m'intéresse. Je ne tiens pas à travailler sous tes ordres. Pourquoi sous mes ordres? La moitié de l'affaire appartient à Claire. Et elle te laisse carte blanche. Tu serais mon associé, ni plus ni moins. Non, je serais associé à ton affaire. Hein? Ça n'est pas tout à fait la même chose. Oui. Et tu prétends m'aimer. Parfaitement, je t'aime. Mmh. Mais je déteste en toi la femme d'affaires qui ne pense qu'à l'argent. Ah, parce que toi, tu n'y penses pas. J'ai ce qu'il me faut et cela me suffit. Eh bien, moi non. J'aime le luxe et j'en ai pas encore assez. Libre à toi de ne pas travailler avec moi, mais tu ne m'empêcheras pas d'aller de l'avant. Et lorsque je ne pourrai vraiment plus me passer d'un collaborateur, alors je saurai bien en trouver un ailleurs. Claire ne te laissera pas faire. Elle m'a donné 6 mois pour quitter Païen et entrer à l'usine. Si je refuse, elle vendra ses parts. Alors tu ne peux pas refuser, François. Tu dois venir avec moi. Oui, c'est bien ce que je pensais. Dès l'instant où il s'agit... Excuse-moi. Allô? Oui, c'est moi, bonjour. Et alors? 100 000? Non. Non, désolé, mais les banques sont fermées, j'ai pas ça ici. Ah, disons, lundi, 2 heures à ton café tabac. Non, non, je regrette, lundi matin, je ne peux pas. Au revoir. Mon frère. Le cher petit est un peu à court, comme d'habitude. 100 000? Ce n'est plus du dépannage. Non, ça, tu as raison. C'est du chantage. Qu'est-ce que tu dis? Il nous a vus ensemble un soir, au restaurant. Il a trouvé ça bizarre et, comme il ne manque pas de loisirs, il s'est mis à surveiller mes allées et venues. Et tu marches? Tu pèses mon silence? Serge a toujours vécu au crochet des autres et en faisant appel à moi. Depuis sa découverte, il est simplement devenu un peu plus gourmand. C'est complètement stupide. Un de ces jours, il te demandera 1 million et tu le lui donneras. Non, non. Serge est un raté qui se contente de vivre à la petite semaine. Bon, la petite semaine à 100 000 francs, c'est déjà pas si mal. Rassure-toi, ça n'est pas son prix habituel. D'ailleurs, il me connaît. Il m'en a demandé 100 pour en avoir 50. Patron, un autre cognac, s'il vous plaît. Ah, ça va faire le 5e, monsieur Serge. Ouais. À 2 heures de l'après-midi, c'est peut-être un peu beaucoup, non? Vous avez peur que je puisse pas vous payer, hein? Ouais. Eh ben, vous avez tort, parce que j'attends mon frère et que je vais vous régler tout ça. Tiens, lève-la, mon frère. François! François, viens vers ici. Et si tu bois? Rien, je n'ai qu'une minute. Viens un peu par là, on ne s'entend pas. Ouais. Je n'ai pas eu le temps de passer à la banque ce matin. Il va falloir que tu patientes jusqu'à 4 heures. Et pourquoi? Donne-moi un chèque, j'irai le toucher tout de suite. Mon chéquier est resté au bureau. Et comme il me faut également de l'argent, je te retrouverai à 4 heures devant ma banque. Ça c'est bien joli, mais moi j'ai pris des engagements. Passe-moi au moins 10 000 jusqu'à tout à l'heure. Désolé, je ne les ai pas. Et je te signale que tu commences à devenir un peu exigeant pour mon goût. Je sais, mais écoute, c'est un peu exceptionnel. Qu'est-ce qui est exceptionnel?
Ben, Ginette a décroché une tournée de casino. Seulement, elle a besoin d'une robe et d'une paire de chaussures. Ouais. Et toi, tu décroches quoi? Je suis sur un film dont on va me confier la musique. Et si ça marche, ce sera ma grande chance. Ouais. Tu ne te lances jamais de l'attendre, dans ta chance, hein? Pourquoi? Est-ce que tu te lasses de ta chère belle-sœur, toi? Fais attention, Serge. Ma patience a des limites. Tout comme ton portefeuille, je sais, ouais. Seulement, j'ai absolument besoin de 10 000 francs tout de suite. Tu ne vas pas me dire que t'as pensé sur toi, tout de même, non? Bon, je vais téléphoner à Claire. Si elle est encore là, tu passeras la voir. D'accord. T'es un frère. S'il vous plaît, ouais. Est-ce que je peux téléphoner? Bien sûr, oui. Et si vous avez peur du bruit, vous avez une cabine au fond à gauche. Non, merci, c'est pas la peine. Allô, Claire? Claire, est-ce que tu peux me rendre un petit service, chérie? Oui, remettre 10 000 francs à Serge, qui va passer te voir. Vas-tu les sortir? Bon, eh bien, je lui dis de passer tout de suite. Oui, il sera là dans 10 minutes. À ce soir, chérie. Merci. Combien je vous dois? Avec les 5 cognacs de votre frère. Comme... 5 cognacs? Ben oui, oui. Et croyez pas que je pousse à la consommation, hein. 6,50. Bon. Voilà. Merci. Claire était sur le point de sortir. Si tu veux tes 10 000 francs, je te conseille d'y aller tout de suite. Et puis ne lui parle pas de trop près. Elle pourrait croire que c'est pour acheter du cognac. Tu as réglé? J'ai réglé, oui. Bon, c'est pas tous les jours, mon lieu. Tu sais, seulement aujourd'hui, j'avais un petit coup de cafard. Tes états d'âme ne m'intéressent pas. À 4 heures devant la banque. Bon, j'y serai. Tout à l'heure. À quelle heure le représentant de Bonnereau doit-il venir? À 3h15, monsieur Delost. Bon. Ben, je vous dicte encore la lettre pour Andréani et nous verrons le reste plus tard. Monsieur le directeur, en réponse à votre lettre de ce jour concernant nos délais de livraison, je ne puis malheureusement que vous confirmer notre conversation. Établissement Paillage, écoute. De la part de qui, s'il vous plaît? Bien, ne quittez pas. Je vais voir si monsieur Delost est à son bureau. C'est pour vous, commissaire de police Tual. Commissaire de police? Oui. Bon, donnez. Allô? Oui, c'est moi. Vous dites? Mais... enfin, pourquoi? Mais dis pas au moins... Oh, bon, très bien, j'arrive. Il a dû se passer quelque chose chez moi, il faut que j'y aille. Quand Bonnereau arrivera, demandez-lui d'attendre. Je vous appellerai dès que je serai là-bas. Monsieur Delost, il s'agit de votre femme. Et vous allez avoir besoin de beaucoup de courage. Elle est morte. Mais c'est impossible. Enfin, voyons, où est-elle? Que s'est-il passé? Elle est à côté dans le salon. Là où elle a été assassinée. Qu'est-ce que vous dites? Étranglée. Sans doute avec sa propre écharpe. Mais c'est... Mais enfin, qui? Qui aurait pu? Laissez-moi passer, je veux la voir. Non, 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 un instant. Je préfère vous poser tout de suite quelques questions. Ensuite, je vous laisserai tranquille. Voyons, vous avez déjeuné ici, je crois. Oui. À quelle heure êtes-vous parti? Un peu avant 2 heures. J'ai rendez-vous avec mon frère. Et vous êtes resté longtemps avec lui? À peine 5 minutes. Ensuite, je suis allé directement à mon bureau. À Courbevoie? À Courbevoie, oui. Et vous y êtes arrivé, hein? Vers 2h30, comme d'habitude. J'étais en train de dicter du courrier, quand vous avez... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ces questions? Non, c'est une simple routine, ne vous inquiétez pas. Est-ce que...
Est-ce que vous fumez du tabac blanc, monsieur Delost? Non, je ne fume pas du tout. Pourquoi? Le cendrier contenait un bout de cigarette anglaise. Or, votre femme de ménage, qui a découvert le crime, prétend que madame Delost ne fumait pas non plus, et que le cendrier était vide lorsqu'elle est sortie. Vous dites... cigarette anglaise? Oui. Puis nous avons également trouvé par terre ses lunettes à verre fumé. Est-ce que... qu'y a-t-il? Rien. Rien, je vous demande pardon. Est-ce que vous me permettez de téléphoner à mon bureau? J'avais promis de le faire tout de suite. Oui, bien sûr. Berger! Bon. Alors, c'est terminé? Oui, presque. Les gars sont en train de relever une dernière série d'empreintes. Le mari est là? Oui, il est en train de... Bah, où il est, celui-là? Où il est? Monsieur Delost! Monsieur Delost! Delost, qui a arrêté le? Bon Dieu, à la clôture, vite! Te voilà tout de même, je commence à me demander. Mais qu'est-ce qui te prend? François! Répondez-moi. Vous n'êtes pas obligé, mais je crois tout de même que ça vaudrait mieux pour vous. Alors, votre frère fumait des cigarettes anglaises. Vous avez reconnu tout de suite ses lunettes à verre fumé. Bon. Vous en avez déduit qu'il avait tué votre femme et vous vous êtes précipité pour le tuer à son tour. Mais comment saviez-vous où le retrouver? Je lui avais donné rendez-vous à 4 heures. Je devais lui remettre de l'argent. Oui, mais puisque vous l'avez rencontré à 2 heures, pourquoi ne pas lui avoir remis un chèque? Mon chéquier était au bureau. Bon. C'est bon. Dites-moi, monsieur Delost, cette cigarette et ces lunettes laissées par votre frère, vous trouvez pas ça un peu gros? Si, bien sûr. Oh, d'ailleurs. D'ailleurs? Oh, je ne sais pas. Je ne sais plus. Sur le moment, lorsque vous m'avez parlé du tabac, vous m'avez montré les lunettes. Ouais. J'ai eu la certitude absolue que c'était lui. Et... maintenant, je ne sais plus. Mais alors, comment expliquez-vous que vous ayez pu éprouver une telle certitude? Hein? Je ne sais pas, mais connaissiez-vous une raison, un mobile qui ait pu vous faire accepter d'emblée cette idée? Aucune raison précise, non. Est-ce que vous gardiez de l'argent chez vous? Non. Jamais de grosses sommes, et mon frère le savait. D'ailleurs, il ne serait pas venu pour voler alors que je devais lui remettre 100 000 francs 2 heures plus tard. Oui, qu'est-ce que c'était que ces 100 000 francs, un prêt? À fond perdu, oui. Oh. Mon frère ne travaillait pas, et il était perpétuellement à court. Et vous le dépanniez par tranche de 100 000 francs? Ouais, bah. Vous êtes généreux, monsieur Delost. Non, c'était exceptionnel. Mon frère vivait avec une chanteuse, une pauvre fille dans son genre et malade par-dessus le marché. Elle avait décroché un contrat, mais elle n'avait plus rien à se mettre. Alors mon frère m'a demandé cette somme pour l'aider. Vous connaissez cette jeune femme? Non. Vous avez donc accepté de l'aider par, enfin disons par affection pour votre frère. Je n'aimais pas mon frère. Vous dites? Non. C'était un raté. Un mythomane. Il avait toujours des projets plein la tête, mais il était bien trop paresseux pour essayer de les réaliser. Il préférait se laisser vivre au crochet des autres. Ouais, mais vous l'aidiez quand même. C'était mon frère, malgré tout. Et puis... Oui.
J'ai toujours bien gagné ma vie, j'ai un peu d'argent. Mais ce que je lui donnais ne grevait pas mon budget. Mais alors, pourquoi ce rendez-vous dans un café? Vous pouvez pas se rendre chez vous? Lorsqu'il s'agissait de m'emprunter de l'argent, il préférait le faire en dehors de ma femme. Oui, mais alors pourtant, vous l'avez envoyé chez vous, et vous avez demandé à votre femme de lui remettre de l'argent. 10 000 francs, oui. Mais pour le reste de la somme, elle n'était pas au courant. Ouais. À quelle heure ce coup de téléphone à votre femme? Oh, il devait être 2 h 15, pas plus. J'ai quitté le café presque aussitôt et j'étais à Courbevoie à 2 h 30. D'où vous n'avez plus bougé jusqu'à mon appel? Non, d'où je n'ai plus bougé. Bon. Lorsque vous avez quitté votre domicile, Suzanne Darbois, la domestique, était encore dans l'appartement. Alors, mis à part l'assassin, elle est donc probablement la dernière à avoir vu votre femme vivante. Pensez-vous que... Enfin, qu'il aurait pu avoir une raison de tuer votre femme? Non, certainement pas. Et même avec raison, je suis sûr qu'elle aurait été incapable. Pourquoi ça? Elle n'est pas si vieille, puis c'est une femme solide. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, ça me paraît impossible, tout simplement. Oui. Non, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Peut-être que mon frère était ivre. Lorsque je l'ai quitté au tabac, il en était à son 5e cognac. Ouais. Ouais, c'est évidemment possible. Seulement, ça n'explique pas qu'après avoir tué votre femme, il soit tout de même venu à votre rendez-vous. Il a dû penser que le crime ne serait pas encore découvert. Puis de toute façon, il avait besoin d'argent. Oui. Bien sûr. Enfin, c'est égal. Il manquait pas de sang-froid, votre jeune frère. Enfin, à condition qu'il ait vraiment tué votre femme, je veux dire. Monsieur? Commissaire Tval. Bonjour, madame. Ah, bonjour, monsieur le commissaire. Entrez, je vous en prie. Merci. Je suis Hélène Lavergne, la sœur de madame Delost. Je suis navré pour vous de cette pénible affaire, madame Lavergne. Merci. Est-ce moi que vous désiriez voir? C'est-à-dire, j'étais venu poser quelques questions à madame Darbois, la domestique de votre sœur. Ah. Mais puisque je vous trouve là, je vous demanderai de bien vouloir m'accorder également quelques minutes. À votre disposition, monsieur le commissaire. Merci. Je suis venu pour m'occuper un peu des formalités nécessaires. Avec sa maîtresse morte et son maître en prison, cette pauvre Suzanne est complètement perdue. Oui, je m'en doute. Quand avez-vous été prévenue, madame? Hier soir, très tard. Je revenais de Lyon, où j'ai passé le dimanche et le lundi pour affaires. Vous travaillez le dimanche? J'ai quelques clients qui sont également des amis. Alors dans ces cas-là, le week-end permet parfois de gagner une journée. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Je vous remercie. Vous êtes à la tête d'une petite usine dont vous partagiez la propriété avec madame Delost, je crois. C'est exact, oui. L'usine nous venait de notre père et j'en assume la direction depuis sa mort, il y a 13 ans. Puis-je vous demander qui va hériter de votre sœur? Exactement, je l'ignore. Ma sœur était mariée sous le régime de la séparation, mais je crois savoir qu'elle avait testé en faveur de son mari. Ah. Bien entendu, elle a pu faire un autre testament sans m'en aviser. Oui. Connaissez-vous une raison qui aurait pu la pousser à déshériter son mari? Oui, non. Ma sœur s'est mariée à 40 ans, il y a 2 ans de cela. Et, comment dire, principalement en pensant à l'usine, je crois. Oui, François Delost était ingénieur et Claire a dû penser qu'il s'y intéresserait. Elle n'aimait pas beaucoup ce qu'elle appelait mon côté femme de tête et d'argent. Et votre beau-frère, lui, pourquoi s'était-il marié? Était-il amoureux, lui, de votre sœur? Non. Non, je crois surtout qu'il avait envie de s'organiser une vie tranquille, de faire une fin, comme on dit. C'est pas parce qu'elle avait 4 ans de plus que lui, mais je pense pas qu'il était vraiment amoureux de ma sœur. Mais je vous avoue qu'au début, j'ai cru qu'il l'épousait par intérêt. Malheureusement, par la suite, force me fut de renoncer à cette idée.
Comment, pourquoi malheureusement? Parce qu'il ne s'est jamais intéressé à l'usine et qu'il a toujours refusé d'y entrer. Il prétendait que cette affaire était avant tout la mienne et que cela le mettait en quelque sorte sous mes ordres. Oui. Que pensez-vous du meurtre de son frère? S'il n'était pas amoureux de sa femme, sa réaction peut paraître d'autant plus excessive, non? Oh, peut-être pas tellement. En dépit de sa maîtrise et de son calme apparent, il était terriblement nerveux. Il fait partie de ces gens qui se contiennent longtemps, mais qui n'ont plus de mesure dès que les nerfs lâchent. Oui, je vois. Et pour votre sœur, que pensez-vous? Franchement, je ne sais pas, monsieur le commissaire. A priori, Serge Delost ne pouvait avoir aucune raison de commettre ce crime. Et pourtant, d'après le peu que j'en sais, il semble bien qu'il n'y ait pas d'autre hypothèse. Oui, il semble en effet. Bon, ben, je vous remercie, madame. C'est tout pour l'instant. Ah non, je vous demande pardon. Et pour que mon rapport soit complet, je vous demanderai de bien vouloir noter ici le nom et l'adresse de vos amis de Lyon. C'est une simple formalité, bien entendu. Bien entendu. Attendez. Je vous prie. Voilà. Bon, je vous remercie. Dois-je vous envoyer Suzanne? Si vous voulez. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est moi, patron. Ah, bon, entre. Bon, je vous remercie, madame Lavergne. Alors, dites à madame Darbois que je la verrai dans un instant. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Berger. Mais rien, pas une fissure. Delost est arrivé au tabac où son frère l'attendait vers 2h05, 2h10. Mmh. Il a téléphoné à sa femme 5 minutes après. Oui. Et à 2h30, il était à son bureau d'où il n'a pas bougé. Oui. Autrement dit, et pour peu que la sœur se soit effectivement trouvée à Lyon, nous serons bien obligés de nous en tenir à la version Delost. À moins que la dénommée Suzanne. La bonne? Oui, la bonne. Bon, elle va me la chercher, tu veux? Oui. Tout de suite, patron. C'est bizarre, cette histoire. Mais d'une simplicité enfantine, ou bien alors... Merci. Bonjour, madame. Monsieur, vous voulez m'interroger? Oui, figurez-vous. Mais pour me dire que ça vous étonne, je suppose. Bon, non, bien sûr. Bon. Seulement, si vous pensez que j'ai pu tuer madame, eh bien, vaudrait mieux le dire, bon, franchement. Bon, asseyez-vous, et puis commençons par le commencement, hein, vous voulez bien? Alors, vous vous appelez Suzanne Darbois, vous êtes veuve et vous êtes entrée au service de Madame Delost quelques semaines avant son mariage, c'est exact? Vous êtes bien renseignée. Oui, oui. Monsieur Delost m'a parlé de vous, en termes très élogieux d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire, Madame Darbois? C'est bien malheureux, oui. Mais que ça devait finir comme ça. Ah. À force de jouer avec les allumettes, eh ben, il y en a toujours qui finissent par se brûler. Par se brûler, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Madame était la maîtresse de Monsieur Serge. Profitant de ce que je m'absentais, il venait la voir tous les après-midi. Non, c'est impossible. Je ne peux pas le croire, ma femme était si... si peu coquette. La concierge et plusieurs voisins le voyaient passer régulièrement. Il arrivait généralement vers 2h, tout de suite après le départ de Suzanne Darbois. Évidemment, c'est possible. Suzanne a encore sa mère et elle se rendait chez elle tous les après-midi. Mais alors, comment a-t-elle pu savoir, Suzanne? Elle l'avait entrée un jour, qu'elle était revenue sur ses pas. Par la suite, elle observait le même manège et constatait certains désordres dans l'appartement. Plus tard encore, involontairement, dit-elle, elle en a surpris davantage. Enfin, pourquoi ne m'a-t-elle pas prévenu? Oh, bah, vous connaissez beaucoup de gens qui se chargent spontanément d'annoncer ce genre de nouvelles, vous. Ah, ça, c'est à peine croyable. Je tombe des nues. Bah oui. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est pas une mauvaise chose pour vous. Comment ça, que voulez-vous dire? Concernant votre femme, le juge va certainement conclure à un crime passionnel. Et le meurtrier étant mort, l'action de la justice s'éteindra automatiquement. Il vous restera évidemment à répondre du meurtre de votre frère, mais je serais très étonné que vous n'obteniez pas de larges circonstances atténuantes. Ah, ou je me trompe fort, ou vous tarderez pas à retrouver votre liberté, monsieur Delost. Ah, enfin. Oh, c'est vous, madame Hélène.
Eh oui, madame Suzanne, ce n'est que moi. Je suis ravie que monsieur ne soit pas là. J'espérais bien arriver à temps pour l'accueillir. Vous avez raison, ça lui fera certainement plaisir. J'étais en train de mettre son couvert. Eh bien, continuez, ne vous occupez pas de moi. Vous déjeunerez avec monsieur. Non, non, rassurez-vous. Je suis attendue. Je suis venue que pour saluer et féliciter monsieur Delost. Oh, ça, on peut dire qu'il a de la chance. Son avocat a été sensationnel. Mais vous aussi, Suzanne, vous avez été très bien. Vous avez déposé avec beaucoup de conviction et beaucoup de tact. Vous ne m'en avez pas voulu. Ben, de quoi donc? Ben, de ce que j'ai dû dire de votre sœur. Vous n'avez fait que rapporter la vérité, c'était votre devoir. Et ce n'est pas votre faute si ma sœur trompait son mari. Oui, bien sûr, mais c'est peut-être monsieur qui va m'attraper. Bon. Il va me dire que j'aurais dû lui en parler. Je ne pense pas qu'il tienne beaucoup à revenir là-dessus. Et à partir de maintenant... Ah, cette fois, c'est sûrement lui. Bonjour, Suzanne. Bonjour, monsieur. Je suis très heureuse, monsieur. Merci, Suzanne. Moi aussi, ça me fait très plaisir de vous revoir. Donnez-moi votre valise. Madame Hélène est au salon. Hein? Vous n'avez pas déjeuné, j'espère. Oh non. Non, 6 mois de leur régime, cela est amplement suffisant. D'ailleurs, je n'ai pas faim. Bon, ben, il faudra manger, monsieur. Vous avez maigri. Très bien, très bien. Nous verrons cela tout à l'heure. Bonjour, François. Bonjour, Hélène. Comment allez-vous? Bien. J'étais si heureuse pour vous que je n'ai pu attendre pour vous féliciter. Ah, vous êtes gentille. J'avoue que sur l'instant, j'ai eu du mal à y croire. On m'avait bien laissé prévoir une peine légère, mais... franchement, je n'espérais pas le sursis. Asseyez-vous, monsieur. Je vais vous servir l'apéritif. Excellente idée. Et vous allez trinquer avec nous, Suzanne. Oh, non, monsieur. Il faut que je m'occupe de ma cuisine. Tout à l'heure, Suzanne, tout à l'heure. Buvez d'abord un petit porton. Bon, ben, puisque vous insistez. Est-ce que ça a été très dur, ces 6 mois? Ah, assez, oui. Certains, d'ailleurs, prétendent que les mois de préventif sont plus durs que les années de peine. Voilà. Eh bien, à votre santé, Suzanne. Et à l'oubli de toutes ces péripéties. À votre santé, monsieur. À votre avenir, François. Merci, Hélène. Bon, eh bien, vous m'excusez, mais il faut tout de même que je m'occupe de mon déjeuner. J'ai proposé à madame Hélène de rester, mais il paraît qu'elle a un rendez-vous. Un rendez-vous d'amour? Jamais le midi, vous le savez bien. On ne se tutoie plus? Ben, ici, j'aimerais mieux pas. Je me méfie de Suzanne. Qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous? Le jour de ma libération, tu aurais pu t'arranger pour être libre? Mais c'est un engagement que j'ai pris il y a plus de 15 jours. Je ne pouvais pas prévoir. D'ailleurs? Vous êtes très prudent, François. Il ne faut pas que l'on nous voit trop souvent ensemble. Je ne comprends pas. Si la justice avait eu connaissance de notre liaison, elle se serait peut-être montrée moins clémente. Et c'est pour ça que tu ne m'écrivais pas? Évidemment, c'est pour ça. Bon, admettons. Mais maintenant, je suis libre. J'ai été jugé. Et j'ai l'intention de t'épouser. Qu'est-ce que tu dis? Non, pas tout de suite, évidemment. Mais un peu plus tard... lorsque je serai installé à l'usine et collaborant avec toi, il n'y aura pas là de quoi surprendre. Un veuf qui épouse sa belle-sœur, on voit ça fréquemment. Mais tu as l'intention de quitter Payet? C'est déjà fait, j'ai tout réglé par correspondance. Moyennant une indemnité qu'il va me verser, je crois qu'il est plutôt content d'être débarrassé de moi, le père Payet. Il a été très bien, remarque. Seulement, tout de même, un directeur meurtrier ne semblait pas l'intéresser outre mesure. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ma décision t'étonne? Un peu, je l'avoue. Tu as si souvent refusé de travailler avec moi. Bien sûr, mon chéri, seulement tu oublies que maintenant, ce sera différent. Ayant hérité de Claire la moitié de l'usine, je suis bien décidé à la faire prospérer. Et lorsque nous serons mariés, elle ne sera plus ni à toi, ni à moi, l'usine. Elle sera à nous. Qu'est-ce que tu as? Rien, François.
Je suis un peu étonnée, c'est tout. On dirait que tu suis un plan établi de longue date. Tu ne te trompes pas. Une prison est un endroit idéal pour tirer des plans et échafauder l'avenir. Tu es sûre que ce plan n'est pas antérieur à ton emprisonnement? Tu dis? Non, rien, mon chéri, rien. C'est une mauvaise plaisanterie. Pardonne-moi. Oui. Qu'y a-t-il, Suzanne? C'est une visite, monsieur, mademoiselle Lancel. Mademoiselle Lancel? Ginette Lancel, oui, l'amie de votre frère. Elle était déjà venue avant le procès, je vous l'avais dit. Oui, bon, vous me l'aviez dit. Bon, alors, je ne connais pas, moi, cette fille. Bon, c'est une pauvre gosse, monsieur. Elle doit partir dans une maison de santé. Elle aimait beaucoup votre frère. Et après? C'est pour me dire ça qu'elle est venue? Ben, je ne sais pas. Peut-être a-t-elle besoin de parler un peu de lui, simplement. Et puis, je crois qu'elle voudrait vous dire aussi qu'elle ne vous en veut pas. Ouais. À moins qu'elle n'ait besoin d'argent. Oh, c'est bon, faites l'entrée. Mais dites-lui que j'ai très peu de temps. Ben, très bien, monsieur. Suzanne. Oui, monsieur. Prochain. Pourquoi vous intéressez-vous à cette fille? Ben, parce qu'elle est malheureuse, monsieur. Et puis aussi parce qu'elle est bien gentille. Bon, merci. Mademoiselle Lancel, monsieur. Très bien, Suzanne, laissez-nous. Monsieur. Asseyez-vous, mademoiselle. Merci, monsieur Delost. Votre visite me surprend passablement, mademoiselle. Je suppose que vous le comprenez. Oui, oui. Oui, bien sûr. Avant toute chose, je tiens à vous dire que je vous en veux pas pour Serge. Vous avez agi sous le coup de la colère et je le comprends. Seulement, vous avez commis une terrible méprise, monsieur Delost. C'est pas Serge qui a tué votre femme. Et qui est-ce? Je sais pas. Mais c'est pas lui. Il était faible. Il avait des défauts, mais il était incapable d'une chose pareille. Si vous saviez comme il était gai et gentil avec moi. L'idée de pouvoir m'offrir une robe et des chaussures le faisait danser comme un enfant. Il est facile de se montrer généreux avec l'argent des autres. Il vous devait de l'argent, je sais. Mais il attendait un contrat important, il vous aurait remboursé. Vous le croyez vraiment? Oui, pourquoi? Je suis désolé, mademoiselle, je vais sans doute vous faire du mal. Mais il vaut mieux que vous sachiez une bonne fois ce qu'était mon frère. L'argent qu'il obtenait de moi, il me l'extorquait. Il me faisait chanter. À propos de quoi? Peu importe, la question n'est pas là. Par ailleurs, et si vous avez suivi le procès, vous devez savoir qu'il vous trompait. Non. Comment non? Il ne pouvait pas me tromper. Il ne m'a jamais rien promis. Moi, j'ai toujours su qu'il avait des aventures, mais ça m'était égal. Ce qui comptait pour moi, c'est qu'il finissait toujours par me revenir. Bah, mes compliments, vous n'êtes pas exigeante. Oh, pensez ce que vous voulez. Ça aussi m'est égal. Puis ça n'a rien à voir. De toute façon, Serge n'a pas pu tuer votre femme. Comment ça? Il n'a pas pu? Je suis arrivée au tabac 2 secondes après votre départ. Serge m'avait demandé de venir. Il voulait me présenter à vous. Et alors? Nous sommes allés ensemble jusque chez vous. Serge voulait que je monte, mais j'ai refusé. J'étais trop mal habillée. Il est monté seul et il est redescendu presque aussitôt. Votre femme n'était pas là. Mais elle y était. Je venais de lui téléphoner et elle avait promis d'attendre Serge. Elle lui a ouvert, il est entré, il l'a tué. Pour serrer un foulard autour d'un cou, il ne faut pas des heures. C'est faux, vous mentez. Il n'a pas mis 3 minutes pour monter et redescendre. Oh, et d'ailleurs, je le connaissais bien, Serge. Je l'aimais.
S'il avait commis cette chose horrible, il n'aurait pas pu être aussi calme. Je peux comprendre que vous ayez cette impression, mais ce n'est jamais qu'une impression. Et cela est tellement vrai que vous vous êtes bien gardé d'en parler à la police. Quoi que ça aurait servi, puisque Serge est mort. C'est à vous que je voulais le dire. Pour que vous sachiez que votre frère n'était pas un assassin. Je voudrais le croire, mais je vous avoue que cela m'est difficile. Est-ce tout ce que vous aviez à me dire? Oui. Ou à me demander? À vous demander? Je crois savoir que vous êtes malade et visiblement vous n'êtes pas riche. Si je peux vous aider durant quelque temps. Pauvre type. Vous dites? L'argent. Toujours l'argent. Je viens vous dire que je ne vous en veux pas. Que votre frère était innocent. Et vous voulez me répondre avec un chèque. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que tout le monde est comme vous? Qu'il suffit d'un beau costume et d'un peu d'argent pour être un homme respectable? Un pauvre type. Et voilà ce que vous êtes. Et même avec ses défauts, Serge vous valait 100 fois. Sortez! Oh, rassurez-vous, je m'en vais. Et vous pouvez dormir tranquille. Maintenant que Serge est mort, peu m'importe l'assassin de votre femme. Moi, je sais que ce n'est pas lui. Et cela seul me suffit. Oui. Oui, très bien, je le dirai. Ah, exactement, je ne sais pas. Mais il doit rentrer pour dîner. Bon. Oui. Oui, oui, je me rappellerai. Au revoir, monsieur le commissaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? On n'en finira donc jamais avec cette histoire. Oh. Allons, bon, qu'est-ce que c'est encore? Oh, mais c'est vous, monsieur? Oui, j'ai oublié mes clés. Ah bon? Quelqu'un est venu? Non, mais je viens tout juste de raccrocher le téléphone, le commissaire Tual. Le commissaire Tual? Oui, il voudrait vous voir demain matin, mais il a demandé que vous le rappeliez quand même ce soir. Alors j'ai noté le numéro sur le bloc. Bon, c'est tout ce qu'il vous a dit? Non, il m'a demandé combien de temps après vous j'étais sortie le jour du drame et si j'avais pas vu votre voiture devant la porte. J'ai répondu que j'avais pas l'habitude de compter les voitures en stationnement. Il paraît que une plainte a été déposée. Une plainte? Oui, avec... voyons, comment est-ce qu'il a dit ça? Ah oui, avec constitution de partie civile. Mais, à quel propos, contre qui? Contre X, à propos du meurtre de madame. Mais qu'est-ce que tout ça veut dire, monsieur? Cela veut dire que l'enquête va être rouverte, Suzanne. Tout simplement. Suzanne. Monsieur. Allez éteindre dans le salon. Pourquoi faire, monsieur? Ne discutez pas, faites ce que je vous dis. Ah, bon. Voilà, monsieur. Restez là, ne bougez pas. Oui. C'est bien ce que je pensais. Monsieur le commissaire a peur que je ne lui fausse compagnie d'ici demain matin. Mais qui, bon Dieu, qui? Vous pouvez rallumer, Suzanne. Maintenant, essayez-vous. Écoutez-moi bien et répondez-moi. Cette fille que j'ai chassée l'autre jour, l'ami de mon frère, est-ce que vous l'avez revue? Ben non, pourquoi? Pour rien, une idée. Est-ce que vous savez où elle habite? Oui, j'avais noté son adresse à tout hasard quand elle est venue pour la première fois. Où est-elle? Là, sous le bloc. Je l'ai justement sortie ce matin quand Madame Hélène me l'a demandé. François, vous êtes fou. Mais où allez-vous? Sur la grande route. Je croyais que tu aimais ça, foncer dans la nuit. Arrêtez ou je saute. Je ne te le conseille pas. Si par hasard tu ne te tuais pas sur le coup, je ferai marche arrière pour t'écraser. Vous êtes fou, vous avez bu. Pas une goutte d'alcool, ma chère Hélène. Mais tu as raison, je suis tout de même ivre. Tout est con. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu espères? Rien. Mon dernier vœu a été pour que tu tombes dans le piège que je te tendais.
tu y es tombé, je suis comblé. C'est très imprudent de monter en voiture avec un monsieur que l'on vient de dénoncer à la police. Hein? Même lorsque le monsieur a l'air bien naïf et qu'il prétend vous demander conseil. François, je te jure que si une plainte a été déposée, elle n'a pas été par moi. Quand on a une Ginette Lancelle sous la main, il faudrait être idiot pour se compromettre. D'ailleurs, de toi-même, tu ne pouvais rien faire. Mais pourquoi aurais-je attendu jusque-là? Non, si tu veux le savoir, j'ai toujours pensé que tu avais tué Claire. Possible. Mais il te manquait certains détails. Exact. Et la preuve que je ne t'ai pas trahi, c'est qu'il me manque toujours. Alors réjouis-toi, je vais te les donner. Et tu vas voir que c'est on ne peut plus simple. J'ai tué Claire à 2h03, tout de suite après le départ de Suzanne que je guettais depuis le deuxième étage. 7 minutes plus tard, je retrouvais Serge au café. D'où, devant témoin, je téléphonais alors à ma femme. Et tout le monde a marché, ma chère. Tout le monde a vraiment cru qu'elle m'avait répondu. Ah, le seul détail que je ne pouvais pas prévoir, c'est que cette petite dinde accompagnerait mon frère jusqu'à la maison. Et tu as tué Serge pour pouvoir le faire accuser, mais... Mais pourquoi? Mais pourquoi tout ça? Attends, tu vas rire. Parce que je t'aimais. Parce que je voulais vivre et travailler à tes côtés. Parce que je croyais... Je croyais que tu m'aimais aussi. Je t'aimais, François. Non. Non. Tu n'as jamais aimé que ton usine et l'argent qu'elle te rapporte. Quand Suzanne t'a parlé de la visite de cette fille et que tu as compris que grâce à elle, tu pouvais me faire condamner. Quand tu as réalisé qu'alors le testament deviendrait caduc, que tu hériterais seul et que l'usine serait enfin à toi, alors tu n'as pas hésité. Tu es allé trouver cette fille et tu l'as poussée à porter plainte. Non, 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 je te jure que c'est pas ça. Seulement, je t'ai trouvé bizarre, tu comprends, doutant de moi plus que jamais. Alors, j'ai eu peur, je me suis affolée. Mais j'ai mal agi, c'est vrai. Je réparerai. Il n'est pas trop tard, François. Nous pouvons être encore heureux. Nous... Qui sait? Tu me crois, n'est-ce pas? Dis-moi que tu me crois. Oui, je te crois. S'il est possible d'être heureux dans la mort, alors nous allons être heureux. François, qu'est-ce que tu fais? Dieu l'aime. Non, non, François! Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Je dois dire que je me suis beaucoup divertie à la lecture de « Coquin de Fakir » par Ange Bastiani. Ce roman publié aux presses de la Cité sauve continuellement la hardiesse de ses situations par un humour élastique et sans cesse rebondissant, de sorte qu'en fin de compte, sauf au cours des dernières pages fort sombres, la drôlerie l'emporte sur le drame. D'abord, il y a le principal personnage, Fernand Percal, parisien de la rue des Plantes, qui, pour des raisons commerciales, s'est mué en mage indonésien et, sous le nom de Sumbawa, prodigue à des dames crédules des dragées dites du bonheur et d'inlassables espérances. Il est assisté dans cette tâche par son amie Clara, laquelle éprouve pour lui, comme pour le Muscadet, un vif penchant. En règle avec les lois, prudente et inspirée tout ensemble, Sumbawa s'acheminerait tout doucettement vers une modeste prospérité si ne surgissait dans son cabinet de consultations astrales une ravissante jeune personne, épouse d'un richissime diamantaire excessivement âgé. La jeune personne, prénommée Annie et de tempérament volcanique, connaît par voie de conséquence des complications sentimentales encore aggravées du fait que le mage ne lui est pas tout à fait indifférent. Malgré les conseils de Clara, ivre de jalousie et de vin blanc, il va tenter de les débrouiller. Et voilà Sumbawa en contact avec un guitariste martiniquais dont les actions dans le cœur de la volage Annie sont fortement en baisse, avec Ludovic, le chauffeur du ménage, qui semble garder encore sur la jeune épouse des droits engendrés par une ancienne aventure, et avec une certaine Vénus Verlaine, unijambiste mais professeur de danse.
Ce serait déjà suffisamment compliqué si le diamantaire ne périssait empoisonné, si son fils d'un premier lit n'accusait du forfait sa ravissante belle-mère, et si celle-ci, avec un sens de l'opportunité vraiment rare, n'avait choisi ce même jour pour filer en emportant le diamant rose des Habsbourg, estimé 250 millions. Impliqué dans le meurtre, poursuivi par un détective marron, déçu par Annie, menacé par le Martiniquais, dénoncé par Ludovic, ayant brisé le cœur de Clara, Sumbawa commence à se dire que ce serait une bonne chose si de temps à autre un mage d'occasion pouvait prédire son propre avenir. Coquin de Fakir par Ange Bastiani est publié aux presses de la cité dans la collection Un mystère. Roger Régent vous parle du dernier film qu'il a vu. C'est une joie de retrouver John Ford, le vieux lion de Hollywood, toujours aussi jeune, aussi allant, ayant le cœur à l'ouvrage et connaissant comme personne toutes les ressources du cinéma. Évidemment, cela ne va pas sans un certain classicisme, sans surprise, sans le recours même à quelques vieilles ficelles du métier. Mais tout cela est si bien fait, si bien placé, comme on dirait, de la voix d'un chanteur. Dans L'homme qui tua Liberté Valence, le dernier film du vieux maître, nous retrouvons les qualités de La chevauchée fantastique ou de La patrouille perdue, avec, à peine perceptible ça et là, quelques signes de lassitude. L'homme qui tua Liberté Valence n'est pas à proprement parler un western, mais c'est un film qui baigne tout entier dans cette atmosphère envoûtante de l'Ouest, à l'époque où, après les pionniers, la deuxième vague des gens venus de l'Est commença à s'installer dans le pays des broussaillers. Le héros est un jeune juriste qui débarque à Shinbone, petite cité du Colorado, avec l'intention d'ouvrir un cabinet d'avocat. Mais le pays est mis en coupe réglée par Liberté Valence, un bandit redouté de tous, sauf d'un rancher, Tom Donifon, qui lui résiste. Rance Stoddard, c'est le nom de notre jeune avocat, trouvera un allié et un ami dans la personne de Tom, lequel lui sauvera même la vie en abattant Liberté Valence, tout en laissant penser à tout le pays et à Rance lui-même que c'est lui, Rance Stoddard, qui a tué le bandit. Toute sa vie, Rance Stoddard traînera après lui cette réputation usurpée de justicier, et quand il sera devenu sénateur des États-Unis à Washington, on parlera toujours de l'homme qui tua Liberté Valence. Le film, répétons-le, est tourné de façon magistrale. En quelques images, John Ford sait créer le suspense. Il n'est pas de la même nature que celui d'Hitchcock, qui est obtenu par des moyens plus mécaniques que psychologiques, mais il est de meilleure qualité. L'homme qui tua Liberté Valence a en outre la chance d'être merveilleusement interprété par James Stewart, un remarquable comédien comme toujours, par John Wayne, le bon géant, et par Vera Miles, qui rappelle la Maureen O'Hara de ses jeunes années, quand elle était précisément l'interprète favorite de John Ford. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le Maléfice du doute, un film radiophonique de Charles Maître, d'après le roman de Roger-Henri Nova. Avec Rosie Vart, Evelyne Selena, Jacqueline Rivière, Marie-Jeanne Gardien, Monique Saintet et Jacques Morel, Jean-Claude Michel, Pierre Delbon, Pierre Vernier, Pierre Peloux. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac. Prise de son René Cambien. Opérateur Geneviève Leroux. Assistante Marie Vouilloux. Réalisation Pierre Billard.